à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter la Birchbox du mois de janvier. Je vous le dis tout de suite, je suis un petit peu déçue du contenu de cette box, mais je voulais poursuivre cette continuité dans la présentation des box et vous la présenter quand même. Donc l'édition de mois de janvier s'appelle Woman, 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 donc apparemment la femme est à l'honneur. Je trouve la boîte vraiment très 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 belle, donc je suis assez contente déjà du design de la boîte, heureusement, parce que sinon j'aurais été vraiment globalement déçue de tout. On a ensuite le petit fascicule qui se présente comme ceci. Ensuite on trouve une petite enveloppe, c'est une carte apparemment qui nous propose 3 mois offerts pour le programme de sport que Birchbox propose. Personnellement je n'aurais pas le temps d'utiliser ces 3 mois d'abonnement parce que le sport à la maison moi c'est vraiment pas pour moi. Donc là c'est quelque chose auquel vous vous inscrivez. Apparemment on vous propose du fitness, de la danse, du bien-être, un programme à votre image et à votre rythme. Je sais pas du tout comment ça va pouvoir se passer, qu'est-ce qui est proposé exactement sur cette application Coach Club, mais je sais que moi le sport à la maison c'est vraiment pas quelque chose qui me passionne. Je déteste faire du sport seul et moi j'ai besoin d'une prof qui me conseille et qui est là pour me booster. Enfin, je n'ai pas du tout la motivation lorsque je suis seule. Premier produit du coup, on a une shower mousse, donc une mousse de douche de la marque Olise. Je ne connais pas du tout cette marque là, donc là apparemment c'est la senteur Winter Bliss. C'est plutôt sympa, moi je suis habituée aux mousses de douche de chez Rituals, c'est vrai que j'en achète beaucoup et que j'en utilise beaucoup, mais ça, pourquoi pas découvrir la marque, emmener à la piscine par exemple, ça peut être super sympa. Mais bon, un gel douche c'est pas forcément ce qui moi m'emballe personnellement, mais je le testerai quand même avec grand plaisir, donc ça, ça va, ça passe encore comme produit. Ensuite, de la marque Beaver, Behavior, je sais pas comment on dit Beaver, Behavior. C'est un shampoing pour les cheveux endommagés, donc qui nourrit les cheveux endommagés après une coloration, après une permanente et compagnie. Donc voilà, c'est un truc super hydratant et super réparateur. Donc ça, pareil, je suis pas fan des shampoings ou gel douche dans les Birchbox, mais bon. Je l'emmènerai à la piscine, je verrai ce qu'il donne après par exemple une séance de piscine, parce que c'est vrai que les cheveux sont plutôt mis à mal quand on va se baigner à la piscine. Donc oui, je le testerai, mais bon, c'est pas non plus le produit qui m'emballe particulièrement. Ensuite on a un produit de la marque Marcel, donc ça je suis plutôt contente parce que c'est une marque dont on entend parler énormément, notamment de la part des youtubeuses canadiennes, et donc en France du coup c'est compliqué de se la procurer. Et donc là c'est la bébé crème éclat d'or, illuminateur, embellisseur de peau. Alors ils disent qu'elle peut être portée seule ou comme base de maquillage, mais en l'ayant swatchée sur le dos de la main, elle est quand même super épaisse, donc j'ai peur que ça plus un fond de teint par dessus, ça fasse vraiment trop. Elle est un poil trop foncée pour moi en ce moment, quoique là elle se voit pas du tout en caméra, mais je pense que pour cet été ça pourrait être parfait, ou quand j'aurai un minimum bronzé. Donc oui, je la testerai, embarquée dans une trousse de toilette pour un week-end ou une semaine de vacances, ça peut être vraiment sympa. Contente de découvrir la marque, mais sans plus. Ensuite de la marque Glove, on a reçu un disque démaquillant en fibre pour un démaquillage en douceur uniquement avec de l'eau. Donc c'est une marque que je connais très très bien, je possède leurs petits gants démaquillants pour le week-end et qui sont vraiment géniaux et que j'adore. Là c'est juste un petit disque de la forme d'un disque coton démaquillant classique. Donc ouais, c'est sympa pour découvrir un petit peu les produits Glove et surtout la matière de leurs gants et de leurs lingettes démaquillantes. Moi j'en ai déjà plein, je les fabrique aussi moi-même, donc j'en aurai pas forcément l'utilité, mais je vais le tester quand même. Je me dis que pour les yeux au moins ça peut être sympa. Pareil à emporter en week-end en plus de mon petit gant démaquillant, ça peut être sympa. Donc peut-être que je réserverai ça pour les yeux et puis le petit gant pour le visage. Et enfin de la marque Arrow. Je suis en train de tester un de leurs mascaras là qu'on avait reçu dans une dernière Birchbox qui est excellent, je suis vraiment trop contente de ce mascara. Et donc là on a reçu l'eyeliner Hydrofuge, en fait c'est un illuminateur pour le regard que vous êtes censé placer en muqueuse pour avoir un air un peu plus réveillé, un petit peu plus en vie. C'est pas le genre de produit que moi je vais utiliser, moi en muqueuse c'est du noir et rien d'autre, c'est comme ça, c'est une habitude je pense que j'ai depuis toujours et je trouve que ça me va plutôt bien et que ça me flatte plutôt bien le regard. Donc non, j'utiliserai pas ce produit là, je pense que j'en ferai profiter quelqu'un d'autre, mais en tout cas je suis très contente de recevoir de nouveau la marque Arrow parce que vraiment leur mascara m'a bluffée. Donc voilà pour cette petite box de janvier, vous avez vu je pense globalement que j'ai été plutôt déçue des produits, même s'il y a quelques découvertes qui sont sympas à faire à l'intérieur. J'ai hâte de recevoir du coup celle du mois prochain pour que ça remonte un petit peu le niveau, mais Birchbox, je pense que je resterai abonnée très 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 longtemps parce que malgré la déception je suis sûre qu'ils vont me resurprendre de nouveau, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils proposent dans quelques mois et je vous laisse du coup sur ces belles paroles. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous, salut tout le monde.